Hello there, Unix femme. Comment ça va? Le, le la petite euh, l'image d'intro là, je l'ai. Euh, en fait, je vais, je vais probablement faire ça maintenant. Pour pour la mire plutôt que d'avoir, euh, vous savez la mire de non diffusion machin. Je vais mettre des, euh, des images qui calent, avec, euh, qui calent avec le thème. et J'ai pêché ça sur Uh, unsplash, donc c'est des images uh, copyright-free. Je crois que le seul truc uh, qu'on qu qu doit faire, c'est dire uh, quel est l'auteur. Donc, uh, bah, l'auteur c'est Misty Lad. Uh, j'ai cherché uh, elf, uh, je sais plus ce que j'ai cherché. Elf, je sais plus quoi. Elf uh, Bond ou <laughs> Elf Tide ou un truc comme ça. Et puis je suis tombé sur ce sur ce elf un peu pervers là qui, qui regarde un peu de côté en mode. <laughs> Et j'ai trouvé que ça, ça calait pas mal avec le thème d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est Donc sur Unsplash. Et euh, l'auteur c'est Misty Lad, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je remets la full cam. Et ben bonjour à tous. Ouais, on dirait un peu Chucky, ouais. C'est un, un peu le spirit. Et euh, ben vu, vu ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, je trouve que ça, ça cale pas mal alors j'ai euh, pas j'ai pas des masses de trucs euh, à vous dire en intro euh, cette fois heureusement euh, le seul truc c'est que j'ai eu un petit contretemps cette semaine enfin depuis euh, mercredi Et du coup j'ai pas pu aller aussi loin que j'aurais voulu dans la préparation du numéro d'aujourd'hui euh, donc je vais m'arrêter en peut-être qu'on va faire moins de deux heures aujourd'hui c'est cool c'est une bonne nouvelle. Euh, donc euh, voilà, on va, on, je, vous dirai, je vous dirai à quel endroit on, on va s'arrêter. Euh, on va quand même voir euh, des petits trucs sympas. Euh, bon, on va voir. Si si, non mais tu vas voir, C'est bon là, je suis chaud là. là, là, là on fait euh, max, max, une heure et demie. Est-ce qu'on fait ça comme euh, comme comme prévision Est-ce qu'on dit que je tiens une heure et demie max J'y crois. Franchement, c'est jouable, c'est jouable. Si vous comprenez tout du premier coup. C'est méga jouable. Salut. Eh, hey, ça fait longtemps, Yoda, qu'on t'a pas vu. Ou alors t'étais hyper silencieux. Mais de euh, toute façon. <laughs> on se redit ça dans deux heures. Ouais. De toute façon. Euh, je vais devoir faire un petit, euh, un, un petit réédit de la dernière fois. Parce que. On a vu beaucoup de choses. Alors, je vais pas refaire l'épisode de la dernière fois. Hein, soyons clairs. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. On a vu beaucoup de trucs, on a, on a testé des choses, on a fait euh, euh, des petites expériences sur le forum elf et tout. Salut Léa, et Yastromo, et Dumble, et John Livingstone qui était déjà là avant. Et puis ben on s'est causé avant en plus. Euh, Sofiane, Fabstock qui revient. C'est cool de voir, euh, de voir des gens revenir. Ah, Rocks. T t ça fait un petit moment que tu t'es euh, pas là. Oh putain, subscribe. Oh bah merde, euh, deux mois en plus. Putain. Vous, je sais plus quoi dire moi. Je sais plus quoi dire. Mais franchement, mais merci, merci tellement, merci beaucoup, Freeways Merci à tous les subscribers. Merci euh, à tous les gens qui, qui vont voir les vidéos, qui like et tout. Je vous vois, enfin je vois faire les, je vois faire les trucs. Ça, franchement, ça déboîte. Alors j'ai eu euh, sur l'épisode précédent. J'ai eu mais des messages mais trop chaleureux mais ça m'a trop fait kiffer. Euh, surtout en plus j'ai eu l'impression à la fin d'être un peu brouillon et puis je me suis j'ai réécouté la vidéo. Il manque des trucs. Euh, il y a des choses qui bon où, où je vais je vais peut-être réinsister aujourd'hui. Je vais certainement réinsister aujourd'hui. Aujourd mais waouh, enfin wow, des des messages euh, trop bien. Enfin. Que vous avez compris des trucs de ouf et tout. Bah, franchement, ça, ça c'est pour moi, bah, c'est le top. Voilà, c'est absolument ce que je, ce que je cherche. C'est absolument ce que je veux, euh, que bah, démystifier des trucs, des trucs qu'on a l'habitude de voir depuis très longtemps et puis qu'on comprend pas forcément. On les voit et puis euh, on se pose pas trop de questions euh, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est de la putain de magie euh, et que il euh, bah, y a des gens derrière ça qui ont réfléchi à des trucs euh, quand même sacrément couillus. Euh, et on va en voir quelques uns aujourd'hui. Alors il y a un type de message que je reçois euh, régulièrement et auquel je fais pas forcément attention parce que bah à la fin c'est pas vraiment une chaîne de tuning ou quoi que ce soit mais euh, on me demande euh, ouais c'est quoi euh, ton shell c'est quoi les outils que tu utilises euh, non, non. donc ce que je vous propose je vais passer euh, genre cinq minutes quelle heure il est, il est euh, 15h06 donc euh, le temps de, le temps que tout le monde arrive 5 minutes pour vous montrer un petit site Très très cool, vous allez voir. Hop, big term. Au fait, euh, le son est bon, l'image est bonne, il n'y a pas de souci, tout va bien. je pour être sûr. Hein. Où est-ce que je l'ai mis Je l'ai mis là. Voilà. Ok, cool. Si tout va bien, c'est parfait. Salut DRB01, salut Touinouille. Ok, merci beaucoup. Merci pour me dire que c'est nickel. Alors, euh, c'est un, un GitHub où il euh, bah, y a quelqu'un qui a eu la bonne idée euh, de répertorier tout plein d'outils Unix un peu récents par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et il se trouve que dans cette liste d'outils, bah, moi j'en utilise pas mal. Euh, tiens attends docteur Neverwark j'ai une question sur l'épisode précédent quel est intérêt technique de conserver les fichiers intermédiaires ou et autres bah, j'y je, 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 reviens bon attends j'ai répondu parce que c'est rapide en fait euh, l'intérêt il est exclusivement euh, de la démo c'est à dire que si, tu, si, euh, si ton but dans la vie c'est de, de générer des exécutables comme 99% euh, .999 euh, des gens bah euh, les .O n'ont pas vraiment d'intérêt honnêtement les artefacts tu en fous et là, en l'occurrence, moi, ce que je voulais, et ce qu'on va faire encore aujourd'hui, euh, c'est étudier justement les étapes intermédiaires pour comprendre comment on arrive d'un code source à un truc exécutable. Et euh, bah, pour ça, il fallait regarder, hein, comme je vous ai dit, j'ai monté l'association productrice des points O, euh, qui, euh, qui remettent euh, à leur juste valeur les fichiers objets euh, au, 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 à la vue de la société, et que, que, que la société arrête. De maltraiter les points hauts les points hauts euh, <laughs> je vais je vais oser un truc mais point haut matters okay euh, donc voilà c'est le l'objectif le, le, c'est vraiment exclusivement <laughs> salut olive euh, oui oui je vais, je vais vous copier hein, le, le, je, je reparle là tout de suite hein, de, du, du git dot euh, ds.OMatters ouais, DS euh, l'objectif là des, des, des euh, de garder les points c'est vraiment euh, uniquement l'analyse hein, et, et de, de jouer avec. Alors je vous mets le lien euh, du GitHub là que je trouve sympa. Hop, voilà. Donc je le mettrai sur YouTube, il faudrait que j'y pense. Euh, donc c'est github.com et c'est Ibrahimdev. Euh, Ibra, Iim, c'est E-E-M, dev, et euh, c ça, c euh, son repos s'appelle Modern Unix. Et en fait, c'est euh, bah, tout plein d'outils qui remplacent avantageusement, ou pas, euh, j'utilise pas tout, hein, euh, des outils euh, ancestraux. Euh, et donc, bah, par exemple, je n'utilise plus CAT, j'utilise BAT, pour une raison, alors la raison principale, euh, c'est que bat fait la coloration syntaxique, numérote les lignes et tout, je trouve ça absolument génial. Donc euh, bah voilà, bat, j'ai un alias vers bat, attends que je vérifie, c'est euh, Je sais que je suis pas sur le bon écran, hein. c'est juste que je, je veux vérifier je fais pas de bêtises. Ouais, ça voilà. tac et laisse aussi Ouais, c'est ça. Je vous montre. Hop. Ouais, j'ai un alias de cat vers bat-pp euh, parce que je veux pas afficher les lignes et je veux que ce soit brut et un alias de less vers bat-p. Okay Donc euh, comme ça j'ai euh, la coloration syntaxique euh, euh, quand je fais des ls et tout. C'est ça, trou... bah, ça que j'utilise hein, depuis le début en fait. Euh, vous voyez pas, euh, vous voyez pas parce que c'est un alias, mais, euh, mais en fait j'utilise bat depuis, depuis le début. Euh, Exa, alors c'est un remplacement, en tout cas c'est annoncé comme un remplacement de ls. Je l'ai utilisé pendant un temps et c'est vrai que c'est joli, euh, mais ça m'a cassé les couilles. Je sais plus pourquoi. En fait y a, il y a des flags qui marchent pas ou y... c'était pas 100% c'était pas un drop-in replacement donc j'ai arrêté d'utiliser enlevé l'alias euh, voilà mais bon après vous allez peut-être aimer la plupart c'est un truc c'est assez perturbant la plupart de ces outils sont euh, écrits en rust Je... ah vous connaissez mon, mon, mon allégeance et, et euh, mon amour du Go euh, donc, bah, généralement, j'aime bien écrire les outils en Go Et Puis il y, y a vraiment beaucoup de ces outils-là qui sont écrits en Rust, que je ne déteste pas du tout. Hein, C'est juste que je n'accroche pas la syntaxe. Mais, euh, mais voilà, donc beaucoup de ces outils sont, sont écrits en Rust. Euh, alors, j'ai essayé récemment LSD, <coughs> qui est, pardon, excusez-moi, qui est, euh, donc pareil, euh, une, une implémentation DLS un peu moderne. Euh, alors, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, ça, ça met des petites icônes et tout, et puis. Alors, truc, le, 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 le truc que j'aime bien, euh, aussi, c'est que euh, ça, met une cool, ça met un vert un petit peu plus euh, euh, clair quand le fichier a été modifié récemment. C'est tout con, mais c'est très pratique. Je ne l'utilise pas là dans le, dans le live pour une raison très simple, c'est que cette connerie de, de RexVT euh, ne sait pas lire les emojis. Donc euh, soit je change le, euh, le RXVT pour euh, un truc un peu moderne et on euh, voit les emojis, soit, soit tant pis, je laisse à ça. Voilà. Euh, voilà. Alors Delta, alors ça c'est un truc de malade. Delta c'est euh, un, un, un diff euh, sous stéroïde pour Git. Ça, je vous, vraiment, je vous conseille euh, fortement euh, l'utilisation de Delta. C'est euh, Bjorn, un bon ami, euh, qui, qui avait montré ça déjà sur, sur Twitter hein, il, y a, il y a quelques temps. Euh, Dust c'est un DU... Euh, un semi graphique j'ai essayé bon ça m'a pas ça m'a pas transcendé euh, d'uf je l'ai je, je, je installé euh, ça dit better df alternative bon c'est différent quoi donc c'est plus graphique c'est pas mal franchement c'est pas mal euh, bon après je vous laisse voir le reste non alors non il y en a quand même deux qui sont euh, importants il y a fd donc fd alternative à fine qui fonctionne que enfin qui fonctionne avec des regex extrêmement puissant extrêmement rapide j'aime beaucoup fd euh, Ripgrep, franchement, j'y ai pas trouvé un intérêt fondamental. C'est bon, très, euh, très arrogant comme, comme, comme nom, je trouve. Euh, euh, Ripgrep, Rest in Peace, euh, je sais bon, En tout cas, c'en est, 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 est pas un qui a, pris le, qui a pris le pas par rapport aux autres. Euh, et surtout, le plus important, FZF. FZF. S'il y a un outil euh, que vous devez euh, installer dans vos shells, c'est FZF. Vous savez, quand je fais un contrôleur là, euh, et que je cherche euh, euh, des, euh, des chaînes euh, dans, dans mon history, bah, FZF c'est ça que ça fait. Il y a un plugin euh, via IAMP. Enfin, FZF c'est de l'énorme balle. Vraiment, productivité x 10 000 avec FZF. Je, je, vous, je vous le conseille. Voilà, je vais pas tous les faire. JQ euh, c'est une véritable saloperie. Je ne, je ne supporte pas JQ, mais bon, après il n'y a, a pas beaucoup de choix. Euh, remplacement de de non merci. Euh, TLDR, TLDR, très cool très cool tldr euh, bah, en gros c'est euh, genre euh, euh, un man pour les feignants quoi c'est pas mal euh, tac tac bon là il y a pas mal de remplacement de top euh, glance moi je trouve que c'est le bordel donc euh, j'aime pas ça euh, voilà boom prox je l'ai pas encore essayé mais ça a l'air sympa euh, un ps un peu un, un, un peu un peu joli euh, Httpy, moi j'utilise très très souvent quand je dois interagir avec des API en reste Curly apparemment c'est une version euh, euh, plus moderne donc je n'ai pas encore essayé et tout ça donc dog pff, ça m'a pas, pas transcendé et voilà c'est tout donc c'était vraiment uniquement euh, pour répondre euh, aux personnes qui me demandent quel est mon environnement de travail et puis comment ça se fait que j'ai des couleurs partout etc c'est etc., bah parce que j'utilise ce, ce genre d'outils euh, que j'ai remplacé euh, dans, dans, dans mes alias dans mon chalet tout voilà un de ces quatre, si vous voulez, je vous montrerai euh, ce que j'utilise pour mettre tout ça à jour. C'est sur, sur mon GitLab. Euh, et c'est euh, une formula, non on dit pas une formula, c'est un, enfin, en tout cas une recette euh, Ansible euh, qui, comme toutes les recettes Ansible, est dépréciée tous les trois mois. Ça me casse les couilles, un truc phénoménal. C'est euh, le mensonge du DevOps euh, dans toute sa splendeur. Bref, je ne vais pas rentrer euh, là-dessus maintenant. On va faire des choses rigolotes. Euh, on va reprendre nos petits exercices de la dernière fois. On va replonger dans Elf. Euh, parce qu'on a, on a découvert des choses. On a appris pas mal de choses. Il est 15h15. Donc je pense que j'ai laissé le temps à tout le monde d'arriver. Euh, on n'est pas beaucoup. On est 24. Euh, mais c'est pas grave. Euh, la, les, les hardcore followers sont là. Donc euh, on va pouvoir démarrer. J'enlève le browser qu'on reprendra peut-être tout à l'heure et on va replonger dans nos aventures. Ah oui, c'est un playbook. C'est ça, trop trop yes, c'est un playbook. Je veux que je, je me poume avec les, avec les appellations diverses et variées. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois Pareil, hein, je ne vais pas y passer 200 ans, mais c'est juste pour remettre les choses au clair. Hello, je tombe sur ton Twitch mais je ne connais pas. Il se passe quoi ici Eh ben, ici, on essaye de comprendre et d'apprendre comment fonctionnent les systèmes Unix et Unix-like tels que Linux. Là, en l'occurrence, on, on, on est sur, un, sur une machine Linux. Et on essaye de comprendre, ben, euh, pas uniquement comment on installe un système, mais euh, comment il fonctionne. Euh, euh, le plus profondément possible. Et là, en ce moment, on est en train d'apprendre le fonctionnement du format ELF et comment il s'intègre avec le noyau. Comment euh, finalement tout ça revient à un épisode que j'avais appelé, euh, ça veut dire quoi, exécuter un programme. Et en fait, on est là-dessus euh, depuis euh, depuis quasiment, euh, je sais pas, un mois et demi, un truc comme ça. Parce que l'objectif de tout ça, c'est finalement comment exécuter un programme. Il se trouve que on est passé par plein, plein, plein de, de, de détours, mais on est toujours sur la même, euh, sur la même question. Comment démarre un programme D'où on vient en termes de programmation Et puis, comment ce programme monte en mémoire qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de l'exécuter Etc. Et euh, on a pris la dernière fois, euh, pour expliciter euh, le, le format ELF, on a pris un, un petit code assembleur que je vais, que je vais réexpliquer. Oh Olive 3 bon oh, t'en subscribe pour deux mois, mais putain mais... Merci beaucoup Olive 3. Merci beaucoup beaucoup. Ça me fait bien plaisir, surtout venant de ta part. Euh, ça veut dire beaucoup pour moi. Je ne, je ne vais pas chanter. Mais euh, Mais je suis sûr que vous l'avez maintenant tous dans la tête. <laughs> Ce moment de pourrissage de week-end vous était offert par le canal Twitch de EMIL. Michel ASM Wright. Oh là là! Eh mais c'est quoi tous ces gens qui se. Eh mais vous êtes fous! BuzzBuzz. RustyMycroft. Rusty Mycroft. Mais eh, ils sont tous en train de se subscribe. Oh putain vous avez déclenché le, le hype train. Eh mais... Ah, mais mais vous êtes des oufs! Oh là là! Attends 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 qu'est-ce que ça dit? Hype train sub gift or use beast to guess the next level. Ok non mais waouh! Wow. Mais merci beaucoup les gars, mais... Enfin, les gars ou les filles, je sais pas. Buzz, euh... Buzz, bah merci beaucoup. Je suis pas certain de t'avoir vu, ou en tout cas t'étais étais assez silencieux. Rusty Mycroft, moi les Mycroft, j'en connais beaucoup, donc je, suis... je sais pas si t'en es un que je connais. Mais si oui, euh, merci et sinon merci aussi. Euh, merci beaucoup à vous tous. C'est euh, vraiment un kiff euh, de, de voir ça. Waouh, en plus on a même pas commencé les gars. Bon. La pression. Là. Le gros coup de pression d'un coup là. Ok, je suis calme et on va repasser à travers ce qu'on vient de faire, ce qu'on a fait la dernière fois. Je suis le Minecraft de GCU. Ah, d'accord. Ok, ok. Eh ben, euh, doublement bienvenue et doublement merci, Rusty Minecraft. Donc tu es le Minecraft de GCU. Euh, donc petit rappel pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas, etc. Il euh, y a un canal sur IRC, sur le, sur le réseau Libera chat qui s'appelle GCU qui est un canal qui est peuplé euh, de gens qui contribuent et participent au logiciel libre depuis très 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 longtemps. Le canal a été créé en 1996, 10, non, 97, euh, le groupe en 96 euh, et depuis bah on participe, on fait des choses etc. Il y a un ticket d'entrée à ce canal. Euh, qui n'est pas du tout payant, qui est simplement d'utiliser un système d'exploitation libre lorsque on veut le rejoindre. Il euh, y a euh, des règles qui sont en, en, en topic du canal. Euh, ouais, Pimpin arrivera probablement sur le stream. Je, donc Pimpin est un bot, c'est un robot IRC euh, que j'ai programmé il y a très 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 longtemps, euh, qui fait n'importe quoi. Et, euh, et vu que... Le chat de, de Twitch, c'est finalement de l'IRC. Je pense que ça va pas être très compliqué de faire venir par Donc euh, c'est prévu. Dès, dès que je vais arrêter de niquer euh, des dizaines d'heures à, euh, à préparer les lives, euh, je commencerai à m'occuper de, de la forme. Parce que pour l'instant, je suis plus sur le fond. Euh, ok, on va, on va commencer à parler un petit peu de ce qui s'est passé la dernière fois, histoire de, euh, de démarrer euh, les choses sérieuses. Donc, alors je vais être très vide. Hein. Euh, on, a, on a écrit un petit code assembleur que, euh, que je vais commenter vraiment très rapidement. Euh, on déclare dans une section data. Donc, je rappelle, je vais, le, je vais remettre le petit schéma qu'on met d'habitude. Hop. Un programme... Oulala oh là là, oh là là, DRB0, B01. Subscribe aussi, mais vous hey, vous êtes vous êtes en train de me tuer là. Bah Merci beaucoup, DRB01. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, on a à peine commencé, j'ai déjà... Euh, j'ai déjà quoi J'ai déjà euh, 4-5 subscribers quoi. Waouh. Bah... Attends, level... Oh, level 2, sub... Putain, mais... Ok, il se passe des trucs, il se passe des trucs là. Je, 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 je suis pas tout. Mais, euh, mais mais je vous remercie en tout cas franchement ça claque entre vieux c'est normal ok <laughs> enculé euh, non mais merci <laughs> merci beaucoup merci beaucoup mais non je suis mais qu'est-ce que tu racontes j'ai passé mon bac il y a à peine 3 ans euh, ouais, je... ouais yeah. il y a pas mal de monde de GCU c'est vrai sur, sur, sur le canal après ça me fait plaisir ça veut dire que bah, potentiellement je dis des trucs qui sont pas encore connus su par tout le monde et je redis, hein, euh, moi, euh, ces lives, je les prépare, je ne sais, sais pas tout d'emblée. Il hein. euh, y a des trucs. Enfin, euh, il y a plein de trucs. Euh, euh, je me les remémore. Même des trucs. Je... Ah merde, ça, ça fonctionne comme ça et tout. Il y, y a des choses qu'on que, qu pense, qu'on sait et qu'on qu sait en fait pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça, 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 va, ça va être un de ces exemples-là. Donc, euh, je rappelle, une image. Enfin, euh, un, un processus, c'est ça. D'accord c'est un espace mémoire, qui est en fait un espace de mémoire virtuel, qui est euh, proposé, ou en tout cas qui est mis euh, à disposition par un composant du CPU qui s'appelle la MMU, qu'on a amicalement surnommé Monique. Euh, on est en train de travailler en 32 bits, donc euh, cet espace d'adressage virtuel fait 4 gigabits, parce que 4 gigabits, c'est la quantité de mémoire maximum qu'on peut adresser en 32 bits. Et dans euh, cet espace mémoire, on a une partie de la mémoire qui s'appelle euh, le texte qui en fait est le code purement qui doit être exécuté, qui est exécuté par le par le par le CPU. Euh, le data qui sont les variables euh, statiques ou globales initialisées. BSS qui sont les variables statiques ou globales non initialisées. Puis euh, la zone qui est réservée au malloc, qui est la heap, donc aux variables dynamiques, allouées dynamiquement. Euh, le mapping que je vais, non je vais pas parler tout de suite, tout de suite. Euh, même si j'avais prévu de le faire, mais celui-là on va en parler euh, très longuement quand on va aborder l'hybride dynamique en fin de stream normalement. Euh, et puis notre fameuse stack. Nico CTL, subscribe with, with prime. Vous me tuez, vous me butez. C'est un truc de malade. Mais mais je vous remercie tellement quoi. J'ai fait combien? Attends, mais j'ai combien de subs là d'un coup? là J'ai. Euh, je sais plus. J'ai 5, 6 subs sub d'un coup. Mais, mais merci beaucoup, franchement. Euh, Nico NicoCTL, DRRB01, euh, Olive Rusty bus Bus. Vous me tuez. Bah, C'est merci. Juste merci. Je vais. Euh... Là là, le coup de pression est gigantesque. <laughs> la stack. Alors la stack, on, est, on, on en a parlé très très longuement sur les épisodes 11, 12, 13 euh, où on a implémenté un buffer overflow. Hein, on a on a réussi à router euh, une vieille Slackware 3 de différentes façons. Hein, la pauvre elle est... <laughs> la pauvre on lui a on lui a fait mal. Hein, on est plusieurs dessus. Euh, et bah là euh, ouais, là il reste plus rien. Là on a vraiment, euh, je pense qu'on l'a routé de tous les de toutes les façons différentes. Avec euh, plusieurs méthodes d'ailleurs. Hein, je vous invite à voir euh, les épisodes sur le buffer overflow. Et le kernel space sur lequel évidemment on n'a pas droit euh, d'interaction. Salut, Istar, e corinture Je sais... Euh, il me semble que tu es déjà venu. Oui, ouais, je pense que oui. Donc voilà, ça c'était le rappel euh, de ce que c'est finalement qu'un processus qui est chargé en mémoire. Okay Ou en tout cas de l'espace mémoire qui est... Attribué à un processus. Bon. Hop. Dans notre euh, petit code assembleur, on a déclaré une section data. Et maintenant, on va voir que section, ça, ça on, on l'a vu la dernière fois, euh, c'est euh, quelque chose de particulier. Une section, c'est vraiment une zone mémoire, etc. Attends, you receive the level one hype tree entry, entry emote. Vas-y, je cherche. Ça, ça me dit de chercher, je cherche. Ok, attends, qu'est-ce que ça veut dire? 5 subs, 0. Ça vient de me dire un truc. Genre que j'ai reçu. Euh, une emote. Ah, c'est une bonne question ça. Eastar Cointure qui me demande j'ai une petite question, si tu permets, Unix est payant. Euh, alors. Oui et non. Attends, attends, putain, j'ai plein d'emotes qui viennent d'arriver là. Attends, attends, parce que je vais pas tout faire en, tout, tout faire en même temps. Euh, ok, aujourd'hui. Salut boulon 34 contrat... 34 trente C'était pas facile à dire. Euh, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il reste. Ça <laughs> sera midi. Les deux heures. Clap clap. Les deux heures. Clap clap clap. Non mais, eh, mais oui mais c'est pas ma faute. Et les gens me posent des questions et tout. Alors euh... attends attends. Euh, alors. Aujourd'hui, des Unix payants, je ne pense pas qu'il en reste. Il y a une époque... Euh... Ouais, une... ouais on, on lance pas la prédiction. Je pense c'est mort, là. Euh... Non, non, attends, attends. Euh... Xavier Micas, ça dépend. Non, euh... Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle Unix. Euh... Et tout dépend... Euh... Tout dépend de l'implémentation, tout, les... tout dépend... Euh... Enfin, à une époque... Alors, à une époque, si, si on veut être puriste, jusqu'à, euh, je sais pas, 80... Je sais pas, Unix System 5, euh, je, je sais même plus combien de temps il a été vendu par, par AT&T. Mais tant qu'il était vendu par AT&T, oui, Unix, le Unix, entre guillemets réel, était effectivement payant. Euh, Aujourd'hui, Unix, c'est euh, plus c'est plus une c'est plus un standard qu'un que, qu os car qu'aujourd'hui alors je vais être extrêmement je vais, je vais faire beaucoup de prosélytisme là dans la prochaine phrase mais aujourd'hui euh, les plus purs unix on va pouvoir trouver sont des unix libres et sont dans l'ordre de ah je vais me faire détester là dans l'ordre de pureté dans l'ordre de pureté, les Unix euh, disons qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont en l'occurrence libres, sont NetBSD et oui parce que ça a été le premier fork, mais je vous invite à lire euh, à lire, non, à, à regarder euh, les deux tout, tout premiers streams de, 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 ce, de ce canal, hein, euh, euh, histoire d'Unix euh, épisode 1 et 2 donc NetBSD en premier, qui a été le premier euh, euh, Unix euh, Libre, enfin BSD Unix libre euh, disponible, puis FreeBSD. 100% Prozell, le livre. Là, je suis, là, je suis en mode Prozell 100%. Euh, mais c'est vrai, ce que je suis en train de dire est vrai, j'invente hein, pas, euh, pas c'est pas, pas un avis, c'est vrai. Euh, et en numéro 3, en, toujours en, en, en termes de date, en, en ordre d'arrivée, euh, euh, OpenBSD. Voilà. Euh, c'est trois versions de, 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 de BSD Unix qui sont finalement les plus proches de l'unix original. Euh, oui, alors il faut distinguer. Bon, on, on, je vais pas, je vais pas parler de ça maintenant parce que sinon on, a, on, on va vraiment, mais juste plutôt passer trois heures en fait. Euh, et donc Linux est une réimplémentation d'un système Unix-like. Au contraire, des BSD Unix qui sont réellement une poursuite des travaux de AT&T. Euh, et euh, effectivement, Linux a d'abord été articulé autour de Minix et puis après euh, a été un système totalement indépendant. Voilà, alors je sais même plus où j'en suis là. Euh, on est tellement en train de dériver. Donc oui, c'est ça. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui euh, Unix, qu Unix est payant, c'est n'est pas vrai. Euh... Uh, Unix aujourd'hui, uh, typiquement, ça existe uh, euh, d'une certaine façon dans macOS X, donc uh, oui, le, 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 dans, dans ce cas-là, c'est payant. Uh, ça existe uh, dans uh, les dernières versions, enfin les versions forkées de Sun, qui pendant un temps a eu le, a, a eu le label Unix, uh, qui, donc avec SunOS, etc. etc. Uh, y a, y a, y a de, finalement, il y a de plus en plus mais de moins en moins euh, d'implémentations de, de, euh, d'Unix en tant que tel. Mais enfin euh, vraiment, on pourrait, euh, je pourrais niquer un épisode entier là-dessus. Hein. Euh, en plus, c'est vraiment. Ce sujet-là est vraiment ma passion. Euh, L'évolution d'Unix et sa création. Donc, euh, voilà. je, vous, je vous invite à, à regarder les deux premiers épisodes euh, qui, qui balayent euh, l'histoire euh, d'Unix en tant que tel et accessoirement de l'internet. Voilà. Euh, je reviens à notre programme en assembleur qu'on avait euh, écrit de la dernière fois et dont euh, l'utilité était euh, très discutable. Donc c'était Michel Asm .write .bin et ce que ça faisait c'était écrire plop. Voilà. c'est un, un programme d'une grande utilité. Mais il nous avait servi. À étudier deux notions euh, fondamentales de, euh, de la technologie ELF, qui, je le rappelle, date de 1995 et qui est, finalement est une des rares technologies qui n'a pas bougé depuis ou pratiquement pas, euh, et de comprendre ce qu'étaient des sections, donc. Alors, pourquoi, pourquoi dans le code... Ouais alors, je vais, je, je... alors, OK, okay. Je, je, je commente rapidement le, le code assembleur. Euh, donc, section data. Comme on l'a vu dans le schéma qu'on n'arrête pas de voir depuis le début, euh, data, ce sont les variables qui sont initialisées. Donc, on a une variable globale initialisée euh, qui est s et qui vaut plop backslash n. Backslash 0. Ok, c'est une chaîne de caractères complète. Euh, et exactement boulon, c'est ça. 4 plus fin de chaîne plus euh, retour à la ligne. Exactement. Euh, donc on a ça. Ça, c'est vraiment la section data. Il n'y okay a que ça. La section texte, qui est la section qui contient le code à proprement, à proprement parler. J'exporte un label qui est underscore start et qui est par défaut, le point d'entrée d'un binaire elf. On a vu la dernière fois que ceci est modifiable. Start, c'est mon bout de code, enfin c'est mon label euh, de, de démarrage, et ça fait des trucs. En l'occurrence, ce que ça fait, c'est que ça appelle un syscall, ça appelle le syscall numéro 4, qui est en fait le syscall Write. Write qui va écrire. Sur le file descriptor 1. Qui est std out. Il va écrire la chaîne de caractères s. Qui fait 6 caractères de long. Parce que on termine toujours. Une chaîne de caractères Par backslash 0. Voilà. Une fois qu'on a écrit ça. On exit proprement le programme. En mettant. 1 qui est le numéro du syscall exit dans le registre ax 0 qui est le qui va être le code de retour du syscall dans ebx et on appelle le syscall ok voilà donc ça c'est euh, c'est le programme de base ce programme on l'a compilé euh, et on l'a compilé donc comme tout à l'heure on disait euh, on a gardé les fichiers objets pour pouvoir voir comment les choses étaient euh, interprétées ou en tout cas organisées par le format elf de façon à devenir euh, des objets chargeables par le noyau plus tard. Et là en l'occurrence on s'aperçoit que il n'y a pas d'adresse particulière. Il y a un offset par rapport à un fichier. On voit que euh, le, les datas sont à l'offset 160. On voit que le texte. Donc, le code est à l'offset 770, etc. etc., etc. On, on a vu tout ça euh, largement euh, la dernière fois. Donc, ceci, les sections donc, sont des informations qui sont utilisées par le logiciel qui crée des exécutables qui s'appelle LD. Ok, qui est okay, le linker. Ce linker, il va prendre ces infos là et le linker son job dans la vie. Le job du linker, c'est de générer un exécutable et ça veut dire quoi générer un exécutable Générer un exécutable, ça veut dire créer une image qui est prête à être chargée en mémoire. Donc, une image qui est prête à être chargée en mémoire, c'est une image qui a des informations. Des emplacements où il faut charger les, différentes, les différents segments en mémoire, les différentes sections finalement. Hein. C'est pour ça que depuis le début de ce live, j'utilise indifféremment le mot section, le mot segment, euh, parfois euh, euh, virtuelle memory adresse. Parce que, au final, ces informations-là, c'est celles-là qui se retrouvent en mémoire. Hein quand on fait, je vous rappelle, quand on fait cat proc. Euh Qu'est-ce qu'on va faire Un truc pas trop compliqué. Bon, on va faire... On va faire euh, allez, on va faire self, c'est pas grave. Euh, maps. Donc je rappelle, un hein, proc self maps, en fait, ça, ça, va, ça va donner euh, le mapping mémoire du processus à plan. Donc là, en l'occurrence, ça va être 4. Hop. Et là, bah voilà on a l'organisation mémoire, enfin, ce qui est ce qui est euh, euh, placé dans l'espace mémoire de 4 au moment où il s'exécute. Et voilà, on a des arêtes diverses et variées, etc. Euh, alors c'est pas que je vais écrire le backslash 0 sur le STD out, c'est que euh, le backslash 0 fait partie de la chaîne, en fait termine la chaîne. Si on pas, tant qu'on n'a pas de backslash 0, la chaîne n'est pas officiellement terminée. Euh, ok, donc ce fichier objet contient un certain nombre de sections qui ont différentes utilités. D'accord euh, Là, ce qui nous intéresse euh, principalement, c'est ce qui va être chargé plus tard en mémoire, qui sont les proc bits. Okay euh, et en l'occurrence, c'est data et texte. Bon. Lorsqu'on a un fichier objet, la phase suivante, c'est de créer bah, notre fameux exécutable. Et ça, ça se fait avec le programme LD. Euh, Est-ce que je l'ai dans le coin et ah puis on a fait plein de trucs bizarres la dernière fois que je, sur lesquels je ne vais pas revenir maintenant. Ça, pour le coup, il va falloir voir l'épisode vous-même parce que on n'aura pas le temps de faire ça. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer. Alors, euh, Xavier Mika, si t'es pas d'accord, tu le dis sur le chat, et puis, euh, puis on en discute après. Euh, ce qu'on va générer, c'est un fichier binaire. À partir d'un fichier objet, le, le fichier objet dont, dont on vient de parler qui contient un certain nombre de sections, d'accord, tac, et ce fichier vénère donc comme ce le leak, hop, euh, Michel sm hop, il va écrire plop, euh, et c'est comme vous voyez, c'est un truc qui est devenu exécutable, ce fichier exécutable. Au contraire, de notre fichier objet contient ce qu'on appelle des segments. D'accord Ça, ce sont des segments. Et ces segments sont issus des sections. Okay C'est ce absolument ce qu'on a vu dans la dernière fois. Donc là, on a des sections. Et comme vous voyez là, la section numéro 1 contient notre code. Et c'est tout à fait logique puisqu'on a euh, cette, cette zone mémoire-là qui est en lecture et en exécution. Et euh, data ici, hein, vous voyez c'est écrit là, qui est dans le segment numéro 2 et qui lui est en lecture et écriture. D'accord C'est clair jusque-là Là on va commencer à rentrer dans l'épisode du jour. Là. Ça tombe bien, ça fait 40 minutes que je parle. Ok. Vous remarquez que ici, comme j'ai dit plusieurs fois, on n'a pas d'adresse particulière. Mais que ici, si. Donc là, on l'a vu aussi. Ces adresses-là sont fournies par le linker et ceci produit des informations qui sont lisibles et qui sont lues. Par Dieu le Père, Antoine Carnel. Alors, je t'invite, Xavier et Mika, à voir les anciens épisodes. Parce que là, en fait, on va, ne on, on va pas discuter sur euh, euh, des tailles de string, on va, on va aller regarder le code du carnel. On n'est pas, pas sur la même discussion. Alors, et je vais en profiter pour, euh, pour répondre euh, à Léa qui, la dernière fois, avait posé une question tout à fait judicieuse sur euh, comment, euh, comment finalement tu distingues euh, cette, euh, la partie exécutable de la partie euh, euh, data, etc. C'est très important de comprendre qu'ici, le linker il a ordonné un fichier. Qui est prêt à être lu et placé par le noyau. Donc. Euh, attends, je vais me mettre là. Je pense que j'étais. Je m'étais prêt à le placer. Voilà, c'est bon. Donc. Euh, c'est dans FS. Et c'est le sang piternel. Beaucoup pour une fois. Maintenant, tu pousses. Alors, sérieusement, Léa. Moi, euh, j'adore tes questions parce que. T'es le seul à. à, à... À avoir les bollocks de dire bah ouais, mais ça, ça marche quand Parce qu'il y, y a. Non, c'est pas vrai, t'es pas le seul. Mais euh, souvent, t'es. Euh, tu poses des questions que les, les gens n'ont pas forcément euh, euh, le courage ou euh, le temps ou l'audace ou quoi que ce soit de poser. Et du coup, ça permet d'expliquer de, 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 euh, plein de choses, quoi. Donc faut, franchement, faut, faut. Mais là, je le dis à tout le monde, hein, faut pas hésiter. Hein. Faut absolument pas hésiter. Et j'ai pas forcément toutes les réponses aussi. Mais. Je les chercherai. Donc là, typiquement, la dernière fois, j'ai pas bien répondu à la question que tu as posée sur euh, ouais, mais comment euh, le kernel fait la différence entre euh, euh, le, les segments qui sont chargeables et qui sont exécutables ou pas, etc., etc. On va le voir maintenant. Alors à chaque fois je me paume hein, dans ce fichier qui est, qui, est, euh, qui est quand même assez conséquent. Et alors vous savez, euh, c'était. Alors en fait j'ai euh, terminé l'épisode, enfin la préparation de l'épisode ce matin, enfin termine entre gros guillemets. Euh, j'ai terminé ce matin parce que je vous ai dit hier j'ai eu des petits soucis et euh, et euh, à chaque fois à chaque fois je me paume là-dedans à chaque fois je me paume dans l'Aude Elf Flipperi et je me suis dit ah mais ça se trouve euh, les kernels récents c'est mieux organisé hein, ça se trouve c'est plus clair on va pas parler tout de suite des kernels récents pas tout de suite <laughs> Euh... Alors, c'est plus propre. Ouais, c'est plus propre. Par contre, il euh... y, y a quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles euh, trucs. que je... et, et pareil, hein, je sais ce que c'est. On en a parlé, machin. Mais euh... c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et c'est et, et pour ça. Hein. Attends, Sofiane dit. Non, c'est toujours la même fonction. Oui, c'est toujours la même fonction, euh, l'udelf Binary. Sauf que le load elf binary euh, de 2021 euh, dedans il y a de la slr il euh, y a euh, des nouvelles fonctions euh, qui euh, positionnent les choses différemment c'est c'est assez compliqué c'est vraiment assez compliqué donc toujours pour répondre aux gens qui me demandent pourquoi tu fais ça sur sur des anciens linux et tout machin bah parce que finalement le fondamental n'a pas euh, changer de façon extrême euh, par contre le code est beaucoup plus simple enfin beaucoup moins compliqué on va dire ok et vous allez voir justement là en, euh, je vais reprendre donc attends je vais pas faire comme d'hab. voilà tac tac et on va à péter load voilà ici voilà donc on est Tiens, quelqu'un me kick euh, Aircox, sky' machin, je sais pas quoi là, qui a un bot à la con. Hein. Euh, ok, je reviens. Donc là, on est dans le fichier source du kernel, donc le C, le point C. Hein. Merci Astromo. Euh, qui réellement, je sais pas si vous si vous pigez le, 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 le la démence de... Enfin, c'est ouf. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez dingue. On est dans le fichier du kernel qui va littéralement prendre le fichier ELF parce que, voilà, il a, il a les headers ELF, etc. et charger réellement, en mémoire, les éléments de l'exécutable dont il a besoin pour le faire tourner. C'est littéralement comme ça. Et on a une boucle qui... Tourne sur tous les leaders euh, euh, elf, tous les programmes leader elf. Donc, je rappelle parce que évidemment ils ont rendu ça hyper simple. Programme leader, c'est synonyme de segment. Section leader, c'est les sections. Bon. Et donc là on tourne sur les programmes leader, donc les segments, ok. Et ce qui se passe là, donc ça, cette petite section, la magique, là, on va en parler plus tard. Mais les rigolotes. Allez voir. Donc, ça ça pour l'instant on oublie. Ce qui nous intéresse c'est ici. Donc, lorsque j'ai un segment qui est de type ptload, hein, regardez, donc c'est euh, load ici, et eh ben je vais le mmapper en mémoire. Ça veut dire quoi Mmap C'est que je prends un fichier et je le map. Dans une zone mémoire. Voilà, euh, MMAP ça fait ça. Pour info, MMAP c'est euh, un des éléments qui fait d'un Unix ce qu'il est. MMAP ça a l'air tout con mais c'est vraiment. C un, bah déjà c'est un appel système et, et c'est absolument magnifique. Mais on va, on, on va rester euh, high level là-dessus. MMAP ce qu'il va faire c'est qu'il prend. Alors euh, là ici on est dans le MMAP kernel. Mais vous pouvez faire un man mmap et vous allez voir que vous allez retrouver euh, exactement les mêmes informations. Et donc ce que fait mmap, c'est que il va littéralement charger le fichier ELF hein, avec ses informations. Hein, regardez, a, par exemple la virtuelle adresse, tout ça, tout ça c'est pas, ça vient pas de n'importe où. Hein, regardez je reprends je prends le header le voilà euh, le, le programme header ok tout est là hein là boum ok je veux alors je vais charger euh, l'adresse de, de départ du truc donc c'est euh, pvaddr ok bah pvaddr voilà c'est un header oh, attends 32 minutes. hop voilà pvaddr c'est l'adresse virtuelle ah la vache Olive m non mais je l'ai dit je l'ai dit tout fort hein, pour pas que ça passe inaperçu hein. Mbappé et non pas Mbappé. Eh, alors, je sais qui est Mbappé. Enfin, je, alors je sais que c'est un joueur de foot. Et que, euh, apparemment, il est très fort. Vous voyez euh, Donc, c'est ça. Tu m'as troublé, Olive, là. <laughs> euh, donc, ouais ça. On mmap l'adresse euh, virtuelle, je vous rappelle. Encore une fois, hein, tout ça, c'est hyper... Euh, il n'y a pas, pas d'information cachées. Hein. Hop, boom, load. La virtuelle adresse elle est là. Ok, tu vas loader à cette adresse là. Le truc qui peut, vous, qui peut vous encombrer un petit peu. C'est ça, là, le E le, euh, FFF, non Alors en fait, ça, que c est, c est, pourquoi il y a ça? Je vous demande de suivre euh, 3 secondes. Bon un peu plus. Pourquoi il y a ça? En fait, c'est parce que on, on souhaite aligner toutes les informations. Qu'on charge, et en particulier les adresses, sur 4 kilos. Attends, je lis juste que Léa. VADDR est directement codé dans le ELF. Euh, oui, alors oui, en fait, euh, l'adresse de base, elle est directement fournie par LD. Tu te rappelles, hein, LD verbose. Alors, bon, sur une encore une fois sur une machine euh, récente, il n'y a pas d'adresse hard -codée parce que en réalité, les mécanismes de sécurité récents choisissent l'adresse aléatoirement, d'accord. Mais c'est LD qui va dire voilà, tu commences là, tu commences à telle adresse, donc oui, c'est codé dans le elf. Bah, tu le vois, hein regarde là, on, on, on fait. En fait, là, on n'utilise pas de, 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 de techniques avancées euh, qui pourrait être pour, euh, euh, fournie par GCC ou, euh, ou LLVM, etc. On, on, est, on, on y va en assembleur, vraiment old school. Et donc, effectivement, là, bah, on, on fournit euh, une Virta DDR. Virte DDR. Je, re, je remonte, hein. C'est ça. C'est ici. D'accord, tiens, regarde. D'ailleurs, par défaut. Il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, attends, je, je vais zoomer peut-être un peu. Hop, hop. Voilà. Tu vois 0804-8000 euh, là. Je remonte. 0804-8000. C'est l'adresse par défaut qu'on enfin, qu utilise euh, en 32 bits sur des, sur des plateformes anciennes. Il ne faut pas croire que c'est euh, un chiffre euh, pht, comme ça sorti... Euh, de la cuisse de Jupiter, c'est absolument. Euh, c'est absolument. Euh, bah c'est un standard, quoi, c'est comme ça. Tout simplement. Bon, je sais, il y a des trucs un peu décevants, hein, comme on a vu la dernière fois. Euh, ok, donc. Mon fichier exécutable, il est là, il est prêt à se faire bouffer par le noyau. Et donc, ici, je mmap différentes sections. Et alors là, ce que je vous disais, c'est que ça, en fait, ça permet d'aligner. Sur la taille des pages. Calme, 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 calme. Ne vous énervez pas. Euh, Léa qui demande pourquoi ce chiffre. Euh, ouais, c'est un peu pif-pouf ce soir. <laughs> ouais, c'est un peu ça. En fait, par défaut, je crois que le, le, les, la première adresse qui avait été. Euh, il faudrait que je retrouve hein, parce que c'est complètement historique. Mais je pense que la toute première adresse de départ, c'était euh, genre. Euh, 0,8 non, 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 non. Et puis c'est devenu 0,48 mais il y, y a probablement ouais ouais les les, euh, les exemples sont sur, sur mon sur mon GitLab donc euh, GitLab.com/email euh, et c'est lvfs euh... donc voilà alors juste ce truc là là je vous explique les pages non plutôt Monique MMU donc, la MMU, le, le composant du CPU qui permet d'avoir euh, des environnements euh, virtuels, de mémoire virtuelle, euh, travaille sur des pages, ou en tout cas on travaille avec elle, le, le kernel travaille avec elle sur des pages de 4 kilo octets. 4 kilooctets, c'est 0X1000. Et ce 0x1000... Vous allez le revoir partout. On, on est clair là-dessus En fait, on travaille sur des zones, enfin sur des, sur des pages, en fait, on appelle ça des pages, qui font 4K. Okay Même si on a 3 bytes, eh ben on va travailler sur une page de 4K. Okay Parce que si on y va bit par bit, euh, je, je vais vous dire que votre environnement graphique, il va, il va prendre un peu de temps à démarrer. Donc. Comme on veut être sûr que cette adresse est bien alignée sur 4K, on lui met un E F F F F F, F, F Pourquoi Parce qu'on va annuler. Mets ta gueule toi, hop, voilà. On va annuler les 4096 derniers bits, ok, pour avoir quelque chose aligné forcément sur 4096, donc sur 0x1000. Et si vous regardez, si on reprend ici notre, ah il se trouve que le kernel enfin s'en assure, juste au cas où, mais en fait le linker a déjà fait le boulot. Regardez, nan 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 nan. align 0x1000. Deuxième euh, deuxième segment. Align 0x1000 Troisième segment Align 0x1000 On est sûr Qu'on est sur Les pages de 4k Ok Mais malgré tout Le kernel s'en assure D'accord C'est clair ça C'est pas C'est pas super important Mais euh... Enfin c'est pas super important Si c'est super important Mais Pour la suite de la compréhension Des trucs C'est pas, pas crucial Mais c'est juste Voilà Pour, pour information On s'assure D'avoir un alignement Sur 4 kilos. C'est comme ça que ça marche. La taille des pages sur Linux c'est de 4 kg et euh, Linux est euh, très très attaché à cette taille euh, parce que il euh, bah, y a eu des, des trades euh, infinis sur euh, euh, est-ce qu'on pourrait pas augmenter la taille des, euh, la taille des pages machin pour euh, augmenter les performances. Nanana, et puis, euh... alors honnêtement, il y a des trucs moi qui me dépassent. Il hein. euh, y a des choses que je comprends, d'autres moins, euh, et, et en l'occurrence. Un des éléments avancés par linus sur, sur la taille des pages c'est que bah, si on met des pages de bah, plus grandes, il va y avoir beaucoup de gâchis hein, je rappelle hein, euh, tu, tu travailles avec euh, 3 bytes et tu vas niquer quelqu'un faut le savoir donc voilà c'est pareil que sur le disque hein. euh, donc on map tout ce merdier là donc c'est les éléments c'est les éléments du fichier elf hein. euh, l'adresse la taille, euh, le type de protection, les euh, permissions par défaut de, du, du mmap, ça je vous invite à faire man -map pour avoir la liste de, de tous ces trucs là, euh, et puis l'offset. Donc vraiment, littéralement, si, si on fait un, un man mmap, hein, vous allez voir qu'on a strictement ça. Donc l'adresse. Le seul truc qui a pas en fait c'est le fichier. Là ici euh, dans, dans le kernel, ça, ça donne le fichier. Depuis lequel on doit mmapper. D'accord Donc là, c'est pareil. La taille, euh, euh, les protections, les flags. Le, alors, le file descriptor est remplacé justement par le portement de fichier et l'offset. OK Donc, on est absolument en train de mmapper. Donc, en train de prendre une zone du fichier qui était marquée comme load et de la passer en mémoire. À ce stade, est-ce que vous êtes tous d'accord est-ce que ça suit là Est-ce que... Ou je vous ai tous poigné parce que plus, plus personne ne répond là. Vous êtes tous morts, c'est ça Vous êtes tous barrés, vous êtes à la piscine. Hein, mes histoires de elfes, ça, ça intéresse personne en fait. Vous avez laissé vos machines tourner. Pour être sympa, pour être poli. <laughs> ok, ok. Donc, on est d'accord là-dessus. Hein. Et alors là Là, on est, on est dans une boucle, c'est-à-dire que je suis en train de balayer tous les programmateurs, tous les segments. J'ai toujours eu du mal avec l'utilité de VADDR dans ce cas de figure. Bah, VADDR, c'est, attends, on se réveille doucement, ouais. Euh... En fait, la VADDR, c'est l'adresse virtuelle du démarrage de l'image. Enfin non, de démarrage de là où tu commences à loader des trucs, et elle est arbitraire. Enfin, elle est. Oui, elle est arbitraire. Euh, ça, ça, tu vois, as vu la dernière fois, on a modifié cette adresse. Quand on a fait notre propre script, regarde. Quand on a fait notre propre euh, script LD, tu vois, on a dit que euh, on démarrait à euh, 8 millions. Tu vois C'est absolument arbitraire. C'est, il se trouve que, euh, voilà, là, euh, par défaut, LD, il va commencer à placer les trucs à cette adresse. Il n'y okay a, pas... a pas de grande technicité là-dedans. Hein. C'est, euh, bah voilà, l'adresse la, de base, c'est euh, 0x804 euh, et voilà, on commence à partir de là. Ok Donc, on mmap. Le premier segment Attends. Si la VDDR est toujours la même en mémoire, ça se passe comment Mais justement. Justement, Léa. Ce qu'on a expliqué quand on a parlé de la, de la, de la mémoire virtuelle, c'est que chaque processus a son espace d'adressage propre. Exactement, Yastromo. Monique vaille au Là, euh, Simple Exec Machin ou Simple Write Machin, il va commencer exactement à la même adresse qu'un autre programme qu'on aura compilé de la même façon. Pourquoi Parce que ce sont des espaces d'adressage virtuels. Chaque processus a l'impression, il est, il est persuadé, regarde. Chaque processus est persuadé d'avoir tout ça. Je vous l'ai dit, Unix n'arrête pas de mentir. Tu le sais pourtant. Et le processus démarre et euh, ça forque. Execve, on load le on load le processus et le kernel dit au processus oui oui t'inquiète pas ou oh, ah bah t'ouais bien hein. bon 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 là, là oui Pff, tranquille oui, 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 bien sûr, ton adresse commence à euh, 0x804-48000. Euh, 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 oui, oui, oui. t'inquiète, pareil. Fais euh, ouais. Bah, ta life, fais ta life. C'est chaque... Pourquoi on appelle... En fait, c'est pas en vrai. En vrai, on ne devrait, <laughs> devrait pas appeler ça de la virtual memory. On devrait appeler ça de la mytho memory. Ah, moi, je lance un concept. On n'appelle plus ça de la virtual memory. On appelle ça de la mytho memory. Ok, attends, je lis ce que vous dites là. Euh, oui, t'as raison, Yestromo. Si tu fais un cat, un cat euh, slash proc slash euh, euh, toto, enfin l'id le, 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 du process euh, slash maps, tu vas voir qu'ils sont tous. Alors, encore une fois, sur un, sur un, euh, sur un OS récent, c'est pas explicite mais on va voir juste après là je vais, je vais le faire sur Slackware comme ça vous, vous en aurez le cœur, dites, le, le cœur net euh, donc ta chaque programme est dans la matrice oui mais c'est ça en fait chaque chaque programme est dans la matrice elle a l'impression d'utiliser la vraie mémoire mais non mais, mais oui mais c'est ça c'est exactement ça qu'est-ce qu'il y avait avant euh, 0800 bah alors je vais te dire qu'est-ce qu'il y avait avant 0x804 machin et eh ben il y avait pas de mémoire protégée non, non, mais c'est vrai. Avant qu'on ait de la mémoire, euh, de la mémoire euh, partagée euh, et qu'on puisse euh, avoir de la protection entre les processus, etc., Eh ben, on avait un grand espace, euh, Un grand, pas, pas, pas si grand que ça, c'était un meg, euh, un grand espace de mémoire, euh, et c'était le mode, ce qu'on appelle le mode réel. Ok, et, et c'était le bordel. Tout le monde avait. Euh... En fait, je pense que ce que tu piges pas, Léa, c'est que le le ce mode de fonctionnement de mémoire protégée, c'est un, un mode de fonctionnement qui est euh, fourni par le CPU. Okay, le CPU et en particulier Monique, sa MMU, euh, euh, propose la possibilité d'avoir des espaces d'adressage différents pour chaque processus, et que ces espaces d'adressage ne peuvent pas aller voir euh, l'espace d'adressage du voisin. Et c'est Monique qui s'occupe derrière. D'aller faire la correspondance entre l'adresse virtuelle et l'adresse réelle sur la barrette de RAM. Ok C'est plus clair ou pas là C'est vachement important ça, hein, parce que la, le, 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 le fondamental, euh, la, la raison pour laquelle on a, on a des systèmes Unix qui ont chacun euh, euh, une adresse, enfin des espaces d'adressage. Euh, euh, distinct c'est ça qui nous permet d'avoir un, un environnement relativement sûr euh, et multitâche qui se marche pas dessus regarde. on va aller on va aller voir tiens voilà on va aller voir là dans euh, je suis sur la slackware 3 là ok là on est en 1995 il y, y, y a moins de il y a moins de fioritures donc regarde je vais 4 tiens je vais 4 init je vais 4 le maps merde maps de init tu vois, d'ailleurs, ça a commencé... Euh, tiens, tu vois Là, ça commence à 8000. Pas à 8000, euh, je sais pas combien. Euh, 804, euh, 8000. Enfin, non, ça commence à 8 millions, pardon. Et alors, si je 4, par exemple... Euh, je sais pas ce que c'est 6, bon on va voir. Attends, je vais juste voir ce que c'est. Euh, CMD-Line. Merde. CMD-Line. Des flèches, bon, ok. Euh, tac, maps. Ok, concentre-toi là. Oh, merde. Putain. Eh, hey, j'essayais de pas le refaire. Voilà. Désolé. Donc là, je suis sur. Attends, je clear. Eh, hey, j'avais réussi à pas le faire depuis super longtemps. Bon, voilà, c'est bon. Euh, je suis sur la Slackware 3, ok Hop. Donc, zéro protection. Voilà. Je cat. Le maps. Donc, qui, qui donne. Euh, la répartition des données en mémoire virtuelle de init. Là, on a, voilà, on a les trucs. Euh, ça commence. Tu vois, là, ça commence à 8 millions. Ça commence pas... À, je ne sais pas à partir de quand ils ont décidé que c'était 804-8000 ans. Hein. J'en sais rien. Euh, là, en l'occurrence, en 95, ça démarrait euh, direct à 8 millions. Okay euh, donc, ça, c'est init. Si je prends euh, le processus euh, 6, que je pris euh, totalement arbitrairement, euh, blablabla maps. Hop, regarde. On a le même, ça commence à la même adresse. C'est chelou, non ben, C'est pas chelou. C'est parce que ça et ça ce sont deux espaces d'adressage virtuels qui sont comme ceci. C'est ça, hein C'est ça. Ce sont deux espaces de d'adaptage virtuel qui sont gérés par, d'un côté le noyau, et de l'autre, le Memory Management Unit, à savoir Monique. Et c'est eux, ces deux gros mythos, Monique et le kernel, qui s'occupent de faire la translation. Bon, c'est plus, plus Monique en l'occurrence. Ok Mais le, le, le processus, lui, il voit que du feu Le processus, il est. Ah oh, ouais, d'accord, ok, moi j'ai tout ça, bah, je suis très content Qu'est-ce que tu me dis, Léa Pour le MMU, j'ai capté. C'est juste pour le. Pourquoi De zéro. Mais non, mais attends Mais on s'en fout On s'en fout de, de, de l'adresse, en fait. C'est ça, ça que je te dis. Regarde Regarde, la dernière fois, ce qu'on a fait, on a, on, a, on, a, on a carrément... On a carrément dit, vas-y, euh, l'adresse à laquelle tu vas mettre euh, le code, c'est euh, 0 x 10000 Tu vois, on s'en fout en fait. Après le truc, c'est que pour, pour bien organiser... En fait, c'est probablement ça que j'aurais dû dire. Alors, pour bien organiser. C'est une histoire de. C'est une histoire de ménage, hein. Bien organiser cette, cette image là, et ben il faut faire des choix. Il faut faire des choix où par exemple là on a un espace réservé, dont on se dit que bah ben voilà, là on va avoir besoin de 8 millions euh, euh, et quelques, et là on va mettre là on va mettre de, 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 du code, puis là on va mettre du data, là on va mettre des BSS, ça, ça, on sait que ça va pas prendre trop trop de place. Là il nous faut de la place parce qu'il y a la heap, la heap potentiellement on peut malloc des trucs là-dedans, là. Ça, ça, ça peut prendre de la place ça ici bah potentiellement on va pouvoir euh, mettre euh, délibérer là-dedans on verra plus tard la stack on a vu ça peut grossir hein typiquement si, euh, si là-dessus euh, si là on réserve un, un char de euh, je sais pas moi euh, 4000 caractères bon bah, pour ça ça va prendre un, ça va prendre un, un, un paquet ok le job c'est de se dire euh, voilà comment j'organise l'image de ma enfin euh, comment j'organise ma mémoire pour pouvoir avoir un processus qui tourne avec tout ce dont j'ai besoin alors, je te lis là ça veut dire que 0 x 1 c'est juste c'est juste du mytho on peut mettre n'importe quoi alors euh... oui 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 alors est ce que est ce que c'est du mytho je sais pas si c'est du mytho mais euh... enfin l'adresse hein, je parle de 0 x euh, 804 euh, 8000 il faudrait que je recherche la, la, la raison fondamentale de ce choix euh, mais oui, euh, derrière B01, c'est effectivement probablement parce que c'est écrit dans un standard, dans une spec. Ouais, c'est je veux dire, à la fin, c'est quelle est la meilleure adresse arbitraire pour. Ah, tiens, attends, il y a John Livingstone qui a posté un lien qui pourrait être sympa. Bah, attends, je vais, je vais, je vais pas lire maintenant. Là. Bon, attends, tu sais quoi, je vais le mettre quand même. Ah bah c'est bien vous avez tous des, euh, vous avez tous des liens différents là, attends, bouge pas. Je vais remettre le browser parce que du coup c'est intéressant là. Alors attends, c'est le lien Sofiane. Euh, ouais ouais vas-y, accepte les cookies. Ouais. Ouais, bah, ouais bah voilà, ouais. Bon bah typique. voilà, par exemple tu vois, c'est pas la même adresse en 64 bits qu'en qu qu 32 bits. Okay. On, on pourra peut-être faire une petite... Euh... La question a été aussi posée en deux mille deux même en gros ouais donc tu vois c'est ça il hein, y n'y a, a pas euh, c'est pas c'est pas c'est pas il y a pas de réponse euh, nette on a choisi ça euh, alors je dis, on on euh, euh, les gens euh, avec des énormes cerveaux euh, qui ont qu'on qu on, qu on réfléchit à cette, à cette organisation là on choisit ça parce que je ne sais pas euh, euh, de 0 à euh, 8 millions et eh ben euh, probablement qu'il y avait de la place c'est réservé ça hein euh, et, et probablement que cette organisation de la mémoire arbitrairement on s'est dit bah voilà ça c'est bien gaulé ça <laughs> ça c'est bien ça on est content ouais bah, mais euh, Michel euh, pourquoi euh, 40, euh, 48 000 hey, tu remets en question euh, ma parole ah non Michel le prend pas mal ok vas-y remets moi un petit rouge là je, je pense que c'est pas... Enfin, après, c'est... Franchement, je, pense... je, je, je vais regarder. Je, je, vais, je vais creuser ça parce que je... moi, je trouve ça intéressant les... Euh... <laughs> les raisons de, 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 des choix comme ça. Attends, je, dis... je suis sûr que c'était après une soirée bourrée. Eh, monsieur, Vas-y, X. Vas-y, on y va C'est le nombre d'or. Le nombre d'or de la mémoire. Ouais, ouais. Bah, ça se tient, ça se tient. Ok. Donc, il y, y a pas ouais fact-checking, fact-checking direct. Donc il n'y a, de... a pas de réponse il euh... a pas de réponse préétablie c'est juste voilà arbitrairement on a choisi que euh, 0804-8000, c'était l'adresse de base euh, du, du premier segment. Ok mais c'est bien que vous posiez ces questions parce que ça veut dire que vous vous demandez bah oui mais alors c'est quoi les segments ils sont C est, enfin, où est-ce qu'ils sont machin et, et du coup bah voilà on load à partir de là et, 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 et on voit que bah c'est euh, ultra standard quoi euh, ah, je sais même plus où j'en étais là hein. alors ah, attends je disais ça ah oui 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 c'est ça j'étais dans le kernel là, à la base euh, donc ce que j'étais en train de vous dire c'est que donc on m-map ce segment en mémoire ok à partir du moment où euh, il est du, du, du type load donc euh, hey, carnel, toi tu, tu dois tu dois me charger euh, avec ses propres permissions etc et alors là à la fin enfin c'est pas à la fin de la boucle c'est dans la boucle il y a un espèce de bout de code alors je vous le dis je vais être super sincère avec vous euh, tout à l'heure il y a, ya il y a quoi on est il est 4 heures il y a... 3 heures j'étais en train de faire des, des, des dessins sur un papier pour essayer de faire la boucle à la main et euh, honnêtement ça m'a gavé enfin <laughs> c'est sûrement, sûrement hyper clair pour la personne qui l'a fait et pour plein de gens super talentueux mais alors en gros il faut comprendre là il faut comprendre qu'on est dans une boucle d'accord on est dans la fameuse boucle qui balaye tous les programmes header tous les, tous les segments, d'accord Et en fait, à chaque segment, ça recale euh, le l'identité le, du segment courant, ok Donc par exemple, donc là au début, quand, quand on rentre dans la boucle, euh, l'ODD euh, où est-ce qu'il est, qu est Attends, start code. Donc, start code, c'est là où démarre le code, donc c'est texte. N hein. code, donc là où finit le code. Elf BSS, donc la, 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 la zone BSS de euh, la VMA, de, de, de la version memory euh, ARIA. Donc là où il y a les, les variables non initialisées. N data, donc là où finit la data. Tout ça, au début de cette boucle, vous allez voir, ça vaut 0. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on load des segments, ces, va ces valeurs-là évoluent. Alors celle-là, la première fois, elle vaut euh, VADDR. Il se trouve que l'offset dans, dans le premier segment il vaut 0. Hein, je vous montre. Hein. Attends, pof, voilà. Ok, dans le premier segment. Okay, dont on a vu la dernière fois que c'était le leader en fait, le F7 vaut 0. Donc, ça va starter littéralement là. Okay, ça load littéralement là. Donc, ça c'est le début, la, la load ADDR. Après, start code, donc le texte. Euh, donc, if k, donc si euh, VADDR, la date virtuelle, est supérieure à start code qui vaut 0. Start code égale K. D'accord Donc et là en l'occurrence start code niveau 0. Donc on va commencer avec start code égal K. Mais à la deuxième occurrence, il va y avoir, les choses vont être un petit peu différentes. Donc start code va, va valoir en fait ça. Parce qu'en fait, code il est à partir de là. Texte, il est là. Okay en read et execute only. C'est important de comprendre que la section texte, elle est en lecture seule et en exécution. Mais en lecture seule, on n'a pas le droit d'écrire des trucs dans la, dans la. Dans le segment texte. Le code n'est pas modifiable. Vous comprenez pourquoi. Euh, si on arrive à modifier le texte en, en cours d'exécution, c'est le bordel. Hein. D'accord Donc à chaque occurrence, à chaque segment qui est chargé, bim bim bim. Les valeurs de euh, donc le DDR, non elle est elle est une chargée une bonne fois pour toutes. Les valeurs de start code, BSS, n code et n data et brk sont mises à jour. ok. Mais à la fin, quand tu regardes, quand tu fais un cat tiens je vais reprendre, je vais reprendre ici là. Quand tu fais ton cat de maps. Il n'y a pas écrit littéralement que ça c'est data et ça c'est euh, ça c'est texte et machin. Parce qu'en fait le carnet s'en bat les couilles. Lui, euh, texte, data, machin, s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il y a des adresses. Il y en a certaines où il peut allouer de la mémoire. Il y en a d'autres euh, où il peut exécuter du code, etc. Mais tu vois, il n'y a pas de nom particulier. On peut présumer de, certaines, de certains segments. Par exemple, sur des, sur des canals récents, les car des carnels récents, par contre. Euh, oui exactement, c'est les flags qui sont importants pour le kernel. Tu vois ici, non ici, tu sais que il y a euh, read et execute, donc tu, je pense très euh, logiquement tu dis bon bah ça c'est le point texte, ok. Euh, et d'ailleurs effectivement tu vois que quand on, ah pardon je suis en train de regarder le programme idor là, donc oui effectivement mais attends regarde, si je prends, euh, euh, ouais c'est difficile à voir sans gdb, donc je vais le, je vais le lancer avec gdb. Voilà. Donc je mets un breakpoint à start, je run et je cat. Non attends, je veux info proc map. Voilà, comme ça j'ai mon. En fait, on le voit déjà là. Cat hein. proc ou proc non non maps. Voilà. Et tu vois ici ah mais ouais mais je build en je build... je build en enfin comme je build par défaut là je mets, je mets aucune protection euh, ça build par défaut en... en en exec mais tu vois ici j'ai read et execute et j'ai pas write donc il est assez probable que mon segment euh, texte il soit ici de toute façon regarde on est en 804 8000 donc on est au tout début donc là dedans il y a certainement le header et certainement le texte D'accord il, il peut pas y avoir de segment texte dans un truc qui est writable. C'est pas possible. Même à l'époque, c'était pas possible. Est-ce qu'on est bon là Sur le chargement Est-ce que vous est ce que est-ce que vous pigez là Est-ce que vous pigez la, 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 la liaison entre notre point O il y a des sections qui donnent des informations au linker. Le linker prend tout ce merdier et en fait des segments qui sont prêts à être lus par le kernel. Le kernel prend le fichier, il loupe sur tous les segments, il les charge. Ok Et puis à un moment donné, il va mettre son. Je ne sais pas si on le voit déjà, déjà tout de suite là. Je pense que ouais. Ah je voulais faire un truc à un moment donné, je voulais, je voulais mettre un, recompiler un kernel et mettre un if1 ici pour que vous, vous voyez en fait quand on start un, un processus euh, qui mette les, les adresses directes, ça serait assez stylé, je vais essayer de le faire la prochaine fois. Voilà, bim, ok, tout est en place, le health entry est là, start thread qui va placer le, euh, le, con, le PC, le, le programme counter. Donc le, le registre du CPU sur l'entry ELF, D'accord L'entry ELF qu'on peut voir ici avec les headers. Et l'entry ELF, voilà, entry point address. 804.9000. Et 804.9000, il est où ben Il est là. Ok. C'est quand même beau, non ça, 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 ça se met bien ensemble tout, tout je trouve euh, c'est mieux parce que sinon ça marchera pas mais. <rire> <rire> eh, ça va, je vous ai perdu ou pas là Eh oh, eh oh, eh oh quelqu'un Il y a tout inouï, qui m'a dit oui T'as les mecs <laughs> Ok, ok c'est cool. Bon, alors c'est bien. Donc ça y est. Donc là, là on est bon. Section. Qui donne des infos linker Qui prépare une image qui est prête à être loadée par le kernel Le kernel load tout ça. Ok, c'est cool. Euh, le carnel de tout ça, il a, euh, il prépare un espace d'adressage virtuel pour le, pour, pour, pour le process. Il place les trucs là, là où il va bien. Léa qui me dit Monique intervient à quel moment Avant le DELF ou après euh, Alors en fait, pendant. Monique intervient à chaque fois que euh, tu manipules la mémoire. Tu vois, par exemple ici. Attends que je me perde pas. Voilà. Tu vois ici. Tac. Là, là, tu es en train de... Oui, à chaque fois que le CPU voudra, veut accéder à la mémoire, absolument. En fait, ici, là, dans ce mmap, tu es en train d'aller écrire des trucs, finalement, dans des slots de tes barres de RAM. C'est ça, hein c'est c'est... Genre, in fine, euh... qu'est-ce que c'est que ce bot de merde? Attends. Bon, en plus, ça veut rien dire. Ou alors, c'est pas un bot. Passe-moi. Attends, attends. Passe-le-moi, STP. Alors, soit, 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 c'est drôle. Passe-le-moi, noix, STP. Toi tu vas te faire kicker, mais je, je, vais, je, vais, je vais miser sur le fait que c'est drôle. On va voir. Euh, DRB0, la question est-ce est qu'on peut faire un qu'est-ce qu'on peut faire de marrant en forgeant un elfe avec des valeurs amusantes Eh ben euh, dans l'épisode précédent justement on a modifié euh, des adresses. Et alors par exemple tu peux aussi euh, modifier l'entry point, le nom de l'entry point, et, et que ce soit pas start, mais que ce soit autre chose. il y, y, y a des choses assez rigolotes à faire. Hein euh, donc voilà, donc pour, pour te répondre Léa, euh, bah, par exemple, euh, Monique, elle intervient ici. Parce que là, as, là, t'as l'impression euh, de jouer avec euh, VADDR et tout, des machins euh, super... Euh, euh, hardcoder etc mais en fait euh, bah ça on, enfin on a compris là, c'est du mytho c'est pas de la virtual c'est la c'est de la MM mytho memory et derrière Monique bah ça va, va se démerder pour caler tout ça dans des zones mémoire qui sont libres ok et la, la, la translation elle est faite par ça et à partir du moment où le processus ou le où le, euh, le programme et l'OD, eh ben, on peut commencer à exécuter en pointant sur le bon entry point. Euh, attends, tu poses la question parce qu'en dessous on voit current et même. Ouais, alors attends. Je peux pas que je le reprenne. À chaque fois, à chaque fois, c'est une galère pour se retrouver là-dedans. Ah ouais. Euh, on va y revenir là-dessus. On va y revenir là-dessus, Léa, parce que ça, ça correspond plus à la structure du processus. De la structure processus au niveau du kernel. Donc par exemple là où il y a le PID, euh, et puis ça va pointer sur la zone de mémoire, etc. C'est autre chose, c'est autre chose. On, on, on va en parler aussi, hein. on n'a pas fini. Hein. Je ne sais, sais pas dans combien de mois on va, on, on va avoir fait le tour, hein, mais on n'a pas fini. Donc, OK, le processus est le D, on peut l'exécuter, etc. À ce stade, après 1h24 de, de rappel, euh, est-ce qu'on est... Non, mais c'est bien, hein. franchement, c'est bien. Hein. Moi, je préfère, euh, préfère qu'on passe du temps à rappeler euh, euh, les, euh, les éléments qu'on a vus et que ce soit clair. Euh, plutôt que on avance en mode euh, bon alors la prochaine fois euh, on va expliquer euh, la théorie euh, des machins quantiques maintenant que vous avez compris euh, comment ça marche la bien mémoire. non euh, on a enfin moi j'ai pas de programme quoi hein, c'est euh, on avance et puis euh, si si j'ai pas bien expliqué un truc euh, la fois précédente eh ben je leur explique la, la fois suivante et puis voilà de toute façon j'apprends toujours hein, que d'un coup sur l'autre, quand vous me posez des questions, tu vois, tu vois, l'air. la dernière fois, tu m'as dit oui, c'est pas clair l'histoire, euh, euh, puisque de toute façon, on a tout mis en exec, comment le kernel il fait pour voir, euh, pour faire la différence entre euh, data, BSS et tout, bah ben voilà, maintenant on l'a vu. Alors, euh, on va faire un petit truc avant de. Parce que finalement, euh, donc j'ai complètement pété mon, mon idée de, de, de faire en moins d'une heure et demie. Euh, on va faire un petit truc. Vous voyez là, euh, on a un bout de code. Là, il y a euh, Michel Machin tout à l'heure qui m'a cassé les couilles avec euh, le backslash 0, il est parti. Je sais pas si je l'ai pris de ou j'ai été, été vilain. Euh... Donc Michel ASMRite. Il est très simple ce bout de code. Il est très très simple. Est-ce que ce serait pas plus joli je vous demande, est-ce que ce serait pas plus joli Ah non t'es là ok. Non parce que j'ai eu peur de t'avoir, euh, de t'avoir frustré ou quoi. C'est, je voulais pas être vilain, hein. je voulais pas être méprisant ni rien. Hein. C'est pas, c'est pas l'objectif. Hein. Moi, euh, comme je dis souvent dans, dans ce dans ce live, euh, moi j'apprends des trucs aussi. Hein. Alors si, je, non mais ça va marcher hein, avec euh, avec sans le backslash 0 Ça va ça va marcher. Mais on. on on est, censé une, un string, euh, euh, on est censé terminer un string. On est censé terminer un string avec backslash 0 à la fin. Quoi. Euh, mais c'est pas l'objectif là. Donc ce code là, il est sympa. Mais est-ce que. Parce que là, là, en fait, ce qu'on fait là, c'est on, on affiche un truc. Et puis là, on exit Est-ce que ce serait pas plus sympa si plutôt que de l'appeler là dans, dans le code, on appelait euh, une fonction. En tout cas un label. Un truc différent. Qu'est-ce que vous en pensez Par exemple, je prends ça. Et puis, euh, je fais un exit.s. attendre une petite seconde. Hop. Donc je vais faire un exit.s On va appeler depuis notre petit euh, notre petit code là qui est écrit euh, Non, je vais pas appeler printf. Non non non. Non, vous allez voir, vous allez voir. Enfin, pas encore en tout cas. Euh, arrêtez de spoiler là. Donc, je veux juste avoir une fonction qui existe. C'est du texte. Enfin, c'est du code. Donc, c'est une section texte. De la même façon que j'ai exporté start. Je vais exporter exit et je déclare un label exit. On est d'accord avec ça je, je, le, je le remets hein, juste pour que ça là euh, c'est euh, le Cisco l'exit. Ok, je mets un qui est le Cisco euh, bah, d'exit. Je mets 0 qui est le code de retour d'exit et j'appelle l'interruption d'accord au euh, basique je vais compiler ça euh, donc exit point le exit s très bien si je, up, je dump et oui je veux deux exactement des b 01 si je hopsdump, dump de x0, bon bah j'ai bien mon code euh, assembleur euh, de, de la fonction exit, ok Et dans mon code, comment il s'appelle déjà C'est euh, michel ouais. Au lieu d'avoir ça, vous vous rappelez de, du mot-clé call je vais appeler cool exit. Mais si je fais ça, si je fais juste ça. Michel asmrade.bine.ou. Michel Si je fais juste ça, qu'est-ce qui va se passer eh dis donc, euh, Moi je veux bien, mais euh, exit euh, je connais pas. Hein. Bah c'est un peu comme c'est un peu à alors que je vais prendre mon fichier euh, et machin et je vais lui dire que j'ai quelque chose d'externe qu'on appelle un symbole on va voir ça juste après qui s'appelle exit exactement externe et là maintenant Là, ça marche. Donc là, qu'est-ce que j'ai J'ai un premier fichier objet qui est ici, qui a une section texte, mais qui a un label start que LD connaît et un fichier point où exit qui a un label exit qui fait exit. D'accord Et maintenant ce que je vais faire avec ça, bah, c'est que je vais en faire un exécutable. Et pour en faire un exécutable, on va faire... Donc non, non. Donc lui il est déjà bon. Et on va ajouter. Exit.o. Si je fais pas ça, tiens, juste. Si je fais pas ça. Mais... Si ce que tu racontes Vous avez déjà vu ce genre d'erreur là Undefined référence, tout, nananana. Généralement, c'est qu'il vous manque une lib. C'est intéressant ça. Allez, on va, on va, on, on va aller. On va regarder un petit peu là. En gros, si j'essaye de builder ça, la référence n'existe pas, mais... Voyons voir. Il y a un truc qui se passe... Tiens, on va hop on va, on va dump. Une seconde. Vous allez voir, vous allez voir. objdump dump-d de Michel bin.o Parce que, malgré tout, là... Vous voyez, l'assembleur il, il appelle quelque chose, là. Mais... Ici... en fait il sait pas quoi appeler il n'y a, a, a pas il euh, n'y a, a pas d'adresse là euh, disponible ok et bien en fait ça non ça c'est un placeholder c'est à dire que oui ça, ça colle ici ça devrait call, call quelque chose Eh oui mais il n'y a pas il n'y a pas et ça, c'est un placeholder en fait. Ce que ça dit, c'est, ok, là, euh, je sais, on me demande d'appeler un truc, mais on m'a dit, on m'a dit que c'était un symbole externe. Donc je m'en fais pas. Par contre, à un moment donné, il va falloir remplacer ça. Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle une relocation. Et une relocation, on peut la voir avec RIDELF, avec le flag -r comme relocation. Et je dis que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme relocation dans michelsmwrite.min.o. Et il y a deux relocations. La première, c'est data. Vous vous rappelez, on a dit la dernière fois que euh, tant qu'on ne sait pas comment on va être structuré. Euh, l'image euh, qui va être au départ noyau, on peut pas vraiment mettre d'adresse de, 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 dans les symboles. D'accord Il va falloir attendre que le linker, euh, avec le script qui va lire, euh, sache euh, proportionnel, rela euh, en relation euh, à l'adresse de base où il va placer les choses. Donc, data va être replacé. Et vous voyez là, l'offset. L'offset, il a B. Et justement, AB, c'est ce qu'on doit placer dans ECX. Ce qu'on doit placer dans ECX, c'est la chaîne de caractères. Je rappelle. Ça, c'est important, ça, c'est super important. Michelsmright.s, vous voyez, dans ECX, c'est S qui doit être copié. Mais comme on ne sait pas encore la gueule que va avoir l'image, euh, qui va être généré, bah, on a un placeholder. On a un placeholder ici. Euh, attends, Et donc pour l'instant c'est 0. Mais on a une information dans la table de relocation qui dit attention à l'offset B, il va falloir remplacer un truc. Et euh, le nom du symbole c'est data. Ce petit truc là, là le type, bah, c'est justement le type de, euh, de, de, de remplacement qui va avoir lieu. Et là c'est une, une donnée en fait. D'accord C'est clair pour l'instant Ça, là, là, c'est crucial. Hein. On est clair ou pas Deuxième step. Il y a autre chose dans ce bout de code. qu'on ne sait pas encore, qu'on ne connaît pas encore. Après, elle, absolument, Léa, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Spoil pas, spoil pas. <laughs> Il y a un deuxième truc qu'on voit ici, dans la table de relocation, c'est qu'il y a quelque chose à l'offset 17, qui s'appelle exit, qu'il va falloir remplacer à un moment donné. Et vous voyez, c'est pas pareil. Là, ça s'appelle l trente-deux. Donc comme son nom l'indique, relocation sur plateforme 346 en 32 bits. Et là, il y a PC32. Et c'est quoi PC32 ben, C'est program counter. Le fameux, le fameux EIP. Le fameux pointeur d'instruction. Et donc là, ce que ça dit, c'est qu'attention, à, à l'offset 17, donc ici, là, il va falloir que tu remplaces ça par une adresse. À laquelle va pointer le registre d'instruction sur, sur la prochaine instruction à, à, à exécuter. Ok Je regardais mon chien. Parce qu'en en fait, parenthèse, hein, le truc qui s'est passé, passé hier, c'est que mon chien est malade et du coup j'ai dû aller chez le vétérinaire, ça m'a pris la, la, la moitié de l'après-midi donc j'ai pas pu préparer tout le reste. Mais finalement c'est pas plus mal parce que sinon on, on ferait un stream de 3 heures. Euh, donc, ici, ce qu'on dit c'est ça. C'est ok. Euh, mon point haut là, euh, c'est bien. Oui, oui, ouais, elle, 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 elle va beaucoup mieux. C'est bon. Elle avait une énorme gastro en fait, euh, et donc elle a eu un, on l'a intubé, goutte à goutte et tout, enfin horrible. Euh, donc bref, là ce qu'on dit c'est ok. Voilà, mon, mon objet il est là. Par contre, euh, il est pas fini quoi. D'accord. Il va y avoir des choses à faire. Dans, si je fais un obj jump de exit .o. bon bah là il n'y a rien de spécial c'est juste euh, tout tout est tout est prêt il euh, n'y a, a pas de relocation particulière si je, si je, si je demande ridelf r exit.o exit il n'y a pas de relocation ici tout est connu cœur sur le toutou elle vous fait des bisous elle vous, elle vous fait des léchouilles mais là maintenant Donc, on est d'accord, si je fais ça, bah, il me manque, il, il manque une référence. Donc, maintenant, j'ajoute quoi J'ajoute uh -huh. exit.o. Qui donc a la référence, lui, de exit, puisqu'il exporte. Il hein, y, a, y a une ligne globale exit. Là, ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un readelf de. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je fais un plus Il n'y aura normalement plus de relocation de Michel à .bin. Voilà. Il y a, Là il n'y a pas de relocation tout a, tout a été euh, euh, tout a été rempli les informations ont été remplies oh, Je suis en train de préparer un cliffhanger les gars euh, Donc Michel, euh, michel à smrite fonctionne d'accord ça fonctionne et si je fais un hub dump de michel smright.bin qu'est ce qu'on voit Eh ben on voit que les informations manquantes regardez ici là. par exemple ce qu'on devait mettre dans ecx ça a été remplacé par une véritable adresse l'adresse de data Donc, si je, si je désassemble tout voilà en fait c'est du mytho hein. c est, c est, ça, ça traduit de la merde hein. euh, en fait c'est juste euh, là c'est le, le, le truc qu'on voulait écrire PLOP et là donc on a remplacé regardez ici on a remplacé dans ECX il y avait 0x0 mais on l'a remplacé pas 804 A000 804 A000 qui est là pourquoi Parce que c'est l'image réelle que va voir le kernel. Je rappelle. RIDELF-L 804 à 000. Qui est littéralement data. C'est beau ou pas Non mais, moi, enfin moi je trouve ça. Moi ça m'éclate. Moi je trouve ça ouf. Et donc. De la même façon, ici, euh, attends, où je suis là Voilà, donc là, j'ai rempli, rempli ce X avec, avec l'adresse de, de, de la chaîne de caractère. Et de la même façon, ici, mon call qui était, euh, qui était vide tout à l'heure, en tout cas dans lequel il y avait un plus holder. maintenant j'appelle quoi ben, J'appelle une adresse qui est 804.90.20, qui est bah littéralement, l'adresse de exit. Donc en fait, on se rend compte de quoi On se rend compte que la, le, le, le linkage de ces fichiers objets, bah c'est ni plus ni moins que la concaténation de tous ces points texte, enfin de, ces, euh, euh, de tous ces objets, pour générer euh, un exécutable qui appelle des, potentiellement des labels, etc., euh, et qui remplace les placeholders pas de, de véritables adresses. C'est clair ou pas Là, on est en train de toucher un truc euh, qui commence à être sympathique. Ok Là, on vient de toucher la relocation, et la relocation, c'est un, un sujet, euh, c'est un sujet qui est qui va avoir beaucoup de répercussions. Pour mon dernier numéro de cet épisode. J'ai rien dans les manches. Pour mon dernier numéro. Parce que je vais quand même... Ah c'est vrai C'est plus clair par rapport à l'intérêt de LD Ok ben c'est important ça. Bah ben, du coup je vais, je vais en profiter pour le, pour le préciser dans le dans, dans petit résumé alors. Mesdames, messieurs. Pour le dernier numéro. De cet épisode. Nous n'allons pas avoir une. <laughs> je, vais, je vais pas faire apparaître une voiture. Nous n'allons pas avoir une, mais deux relocations. Et je vous le dis, des relocations du meilleur Akabi. Donc, Michel SMWrite, on va le copier en. Michel. Michel Dean. Micheldean.s Vous allez voir. Et alors là, regardez ce que je vais faire. Je vais littéralement effacer ceci. Et là, je vais faire. Accrochez-vous. Push 5, je vous explique juste après. Push euh, non de 6 d'ailleurs. Push de S Push de 1 et call de right Tout ceci demande un éclaircissement et je vais plus loin je dis externe je rajoute je rajoute un externe de right messieurs dames mais que fait-il que fait-il qu'est-ce qu'on fait ici là on va ah où est-ce que j'ai fait une typo ah oui t'as raison je te dis c'est mieux c'est mieux que euh, le truc de, de, de github qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait alors vous vous rappelez que... Eh oui Sofiane, eh oui. Eh oui dans la stack. Vous vous rappelez que... Donc quand on a, quand on a fait des misères à la stack, euh, vous vous rappelez que les paramètres des, 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 des fonctions, euh, on les passe justement dans la stack. Et en fait là, ce que je veux faire avec ce petit bout de code, c'est au lieu... De, de me cogner moi-même le syscall et de faire un INT80 avec euh, 4 dans euh, EAX, etc. Je veux appeler, tenez-vous bien, je veux appeler la fonction write de la libc. Absolument, Xavier Mika, on va appeler la fonction. La vraie fonction write, de la lip, c'est la lib de la vie. Et pour ce faire, donc rappelez-vous, hein, la pile, ça marche à l'envers. Donc je push. Donc write prend trois paramètres. <laughs> On fait de la sorce... On fait ça, c'est ça, les gars. On fait de la sorcellerie. Sorcellerie Je push. Donc les, les paramètres de c'est en premier paramètre, c'est euh, le, le file descriptor, Donc c'est 1. STD out. Numéro 2 c'est la chaîne de caractères. et numéro 3 c'est la taille okay et j'appelle la fonction bright mais comment je peux faire ça Comment je peux faire ça alors et en, et en plus de ça j'appelle j'appelle exit donc là on est on est full on, on est des on est dans là. Là, je vous le dis je sais pas, je sais pas. Je sais pas si ça va, si ça va donner quoi que ce soit. là Alors, déjà, on va essayer naïvement. On va essayer naïvement avec notre petite LD des familles. Donc, on sait, on va avoir besoin. Ah mais attends, j'ai pas encore. Euh... Euh, oui, NSM. Donc, on va avoir, on va faire Michel. Comment je l'ai appelé Merde, même plus Ah oui, Michel Dine. Point O. Non, Din. Pas Sine. Et on va utiliser Michel Jusqu'ici, tout va bien. Pourquoi tout va bien bah Parce que j'ai dit que de toute façon, exit c'était externe et ride c'était externe. Donc, pour l'instant, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai là dans mon dans mon readelf Dans mes symboles j'ai quoi là euh, Non dans mes. Non non plutôt dans mon ASM. Obj dump moins D de Michel Bah là pour l'instant j'ai que des relocations. J'ai des relocations ici parce que je sais pas où, elle a, où va être la chaîne à la fin. J'ai une relocation ici parce que je sais pas euh, où... Euh, Qu'est-ce que tu me fais appeler Et j'ai une relocation ici parce que pareil. D'ailleurs, si je fais un moins r de michel o on voit bien que j'ai une première relocation de data. Et j'ai deux relocations ici de fonctions que je ne... Connais pas ok ok donc maintenant qu'est ce qui se passe si j'essaye de linker tout ça attends je suis en train de spoiler là c'est quoi cette merde euh... donc qu'est ce que je veux je veux michel dean au final. Et je veux Michel Din.o Mais qu'est-ce qui va se passer Parce que de toute façon, là je suis en train d'en linker deux, mais on sait bien que euh... hey j'ai rien qui définit write. Et, et, et forcément, j'ai rien qui définit write. Puisque write est décrit dans la lipse. Ok Donc il faut que je link d'une façon la libc. Comme ça. Ok Ah merde, ça marche du premier coup, fuck. J'avais pas cru que ça marche. Ça aura pas dû marcher. <laughs> Attendez. Bah non mais parce que... Attends, je vous dis après, je vous dis après pourquoi ça sorte pour du marché. Attends ça marche pour de vrai Non ça marche pas pour de vrai, voilà, je savais bien. Alors pourquoi ça marche pas Attends que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Alors... Non mais oui, bah ouais, parce que... Non, non, mais... <laughs> parce qu'il y a Astromou qui dit 1000 le gars qui est déçu quand ça marche. Non mais parce que... Parce que là en fait... On est en 32 bits. Et euh, la lipsée de base là, euh, ça va être la lipsée 64 bits. Donc logiquement, il faut que je fasse... Parce que regarde. Et il me semblait que m... c'était un peu plus explicite le, 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 le message d'erreur. Je suis un peu déçu là. Moi je veux celle-là de l'IPC. Ici. Ok, celle dans euh, USR Lipton 32 Alors pour info, euh, si vous le jouez à ça, il vous faut... Il vous faut l'IPC 6 dev 836. Ouais, il a pris le moins C, je suis un peu déçu. Euh, ça aurait pas dû normalement. En plus je suis quasiment sûr que ça, ça avait chié euh, au début quand je l'avais fait. Donc là si je fais moins grand L. Alors moins grand L c'est le path. C'est si je veux ajouter un path vers euh, un répertoire où trouver les libs. Ok Et là je dis moins L USR, prend deux Voilà. Alors voyons voir. Alors je vais utiliser un truc que vous avez probablement déjà tous utilisé, qui s'appelle LDD, qui dit quelles sont les librairies utilisées par un exécutable. Et là... Ah là c'est mieux. Là c'est bien. Et normalement... Ah bah merde alors. Ah bah je suis emmerdé là. Bah là du coup euh, ça marche pas et je suis emmerdé. Mhm. Qu'est-ce que le fuck... Attends. Donc moins elf machin. Non non moi oh. pas d'histoire d'ordre là tu vas pas prendre tu vas pas me faire chier avec ça non, non je pense pas là Non mmh. Un anti-bouyaka Ouais Point 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 point, point, point. C'est le point 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 euh, Pourquoi 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 est-ce que je dois... Attends, tiens, je vais vérifier un truc. Ridelf, je vous promets que c'est pas fait exprès. Hein. Euh, moins L, donc pour segment tout ça. De Michel Dean. Qu'est-ce que c'est que ça Je suis un peu embêté. Parce que si c'est ça, je vais vous montrer un truc que je voulais pas vous montrer tout de suite. Merde. Oh shit. <laughs> Merde. Vous n'étiez pas censé voir ça. Vous savez dans les dans les épisodes de séries avec des gros gros cliffhangers où à la fin il se passe un truc hyper what de fait vous êtes ah oh, mais qu'est-ce qui se passe bon on est là je ne ouais. vais pas expliquer ce qui vient de se passer <laughs> si si là là je vais si 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 c'est fini là c'est fini le eh, la suite dans le S 01E17 Pourquoi Que s'est-il passé Qu'est-ce que c'est que ce merdier Qu'est-ce que c'est que ça D'où ça vient À quoi ça sert Quels sont tous ces nouveaux segments Les réponses à ces angoissantes questions Au prochain épisode Certainement mercredi à 21h si j'ai pas trop bu et que tout se passe bien mesdames messieurs merci beaucoup de votre présence une fois de plus oh, je... Là, je pense que c'est le pire cliffhanger que j'ai jamais fait c'est le pire de tous euh, merci de votre présence merci d'avoir suivi euh, cet épisode qui avait euh, pas mal de, de réédit mais euh, je pense que c'était nécessaire et euh, je vais essayer de me rencarder sur l'origine de, de 0X804-8000 euh, pour voir s'il y a, y a, y a des, des, des choses un peu plus, un peu plus explicites. Voilà, je vous fais des bisous si vous voyez cet épisode. Ah oui, un truc. Alors, on m'a expliqué, c'est Yves qui m'a expliqué ça. En fait, je suis pas supposé euh, mettre... Euh, enfin, uploader directement euh, le matin ou le soir. En fait, y a, y a, a priori, il y a une clause euh, de, de Twitch qui m'oblige à attendre 24 heures avant de le mettre sur YouTube. Donc, ça sera dispo demain soir, donc à la même heure, euh, 16h, 58 euh, 17h, sur, euh, sur YouTube. Et pour ceux qui, euh, qui me regardent sur YouTube, eh ben, euh, je vous serais euh, extrêmement reconnaissant de cliquer sur euh, j'aime, de partager, de laisser des commentaires, euh, de subscribe à la chaîne, etc. etc. Je ne sais plus à combien j'en suis. Euh, mais euh, quand euh, quand je pourrai monétiser, bah, je vous le dirai. Et puis, euh, bah, ça sera un grand événement pour moi. Merci beaucoup à tous. Je vous fais des gros bisous. Euh, je vous souhaite un bon week-end. Et euh, amusez-vous bien si vous faites des expérimentations, dites-le moi, n'hésitez pas à partager. Ciao